Vous avez assisté à la mise en place de nouveaux boîtiers permettant en ce moment d'accéder en un clic à des dizaines de programmes Mahé Moharram 1437 dans le monde directement sur votre téléviseur. Beaucoup de projets sont en cours. Présence de Koja TV lors de Arbaïn 1437 à Karbala et dans la marche de Najaf Karbala. Énorme chantier de remplacement des nouveaux box à Mada et France. Étude d'une box radio permettant d'écouter nos 10 Koja Radio. Émission mensuelle sur une chaîne locale pour propager les enseignements de nos Ahlul Bayt alayhi salam. Tout cela ne sera possible qu'avec votre soutien. En vous remerciant de vous rapprocher de l'équipe Koja TV pour toute souscription. Bon Muhammad wa Ali Muhammad, salam alaikum. Namaz bad namaz yo mate niaze usen firaswama ause. અને બપોરના દર્શનના માવેનો માટે પ્રોગ્રામ સ્પેશિયલ દર્સ અને મજાલિસ રાખવામાં આવશે. કાલે શબે આશુરનો પ્રોગ્રામ 18:30 ના ઝારતે આશુરા 18:45 ના નમાઝ મગરીબે ત્યારબાદ નિયાઝે હુસેનથી રસવામાં આવશે. 72 મરસિયા અને અંતમાં મજાલિસ અને માતમ માતમ બાદ 23:00 તબરુકાતની વહેંચણી કરવામાં આવશે. બરાબર 23:30 સુગ્રામી લાભનો બયાન મુલા નિસાર પેશ કરશે. સુગ્રામીના બાદ ઇબાદતનો પ્રોગ્રામ નોન સ્ટોપ રાખવામાં આવશે. તે પછી નાસ્તા પાણીનો બંદોબસ્ત થશે અને આખીરમાં નમાઝે સુબો પરવામાં આવશે. كل مرحوم مؤمنين والمؤمنات نروان أسباب ورتك سورة فاتحة نبت ماستر الفاتحة اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد Moharram pénalité, tout simplement parce que quand il y a des choses beaucoup plus importantes et qu'il faut rentrer dans le détail, on me demande de le faire parce qu'il paraît que lorsque c'est moi qui le dis, ça rentre peut-être plus facilement dans la tête. Donc, je vais m'exprimer essentiellement en français. Tout d'abord, ce que vous voyez là, la boîte noire, c'est une boîte de sadka qui nous ont été envoyés, qu'on a repeint. Et ces boîtes sont numérotées, vous allez voir, boîte numéro, donc 15-10-05, donc l'année, le mois et le jour. Le numéro, la cinquième boîte. Il y a 40 boîtes actuellement disponibles pour les sadka. On a un suivi, Inch'Allah, informatique qui sera fait par Karim, Hassan Ali, ainsi que le trésorier. Ces boîtes vous sont remises à partir de ce soir. Donc si vous avez des sadka, n'hésitez pas, vous les mettez dedans et on récupérera, Inch'Allah, cette boîte au 40e, donc Talis Mourmain. Le jour du Talis Mourmain, on vous demandera de les ramener et ainsi de suite, on fera tourner les boîtes parce que cette boîte-là, elle est fermée complètement. Une fois qu'elle est remplie, on doit la détruire, donc on ne peut plus la réutiliser. On vous donnera à ce moment-là une nouvelle boîte avec un nouveau numéro qui vous sera attribué. Ok ? Clair, net, tout le monde a compris? Des questions? C'est bon, vous restez dubitatif. Donc c'est une boîte de SODCAF qui sera à demander à Karim, le vice-président qui est ici présent, Inch'Allah. Je dois vous parler de plusieurs choses, comme d'habitude. Donc, boîte de SODCAF, c'est fait. La suite du programme, Shazam, s'est arrêté, le secrétaire adjoint s'est arrêté après Soukou, c'est ça, après le namazé Fod. La suite du namazé Fod, c'est moi qui vais vous la donner, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va vous le redétailler en SMS, mais cette année, exceptionnellement, on va avoir deux programmes, Inch'Allah, le jour de Ashura. Il faut savoir que déjà, comme à l'accoutumée, le matin à 11h, il y aura Amal, comme on a l'habitude de le faire, Amal et Ashura. Je vous parle bien de la journée de Ashura, c'est-à-dire samedi matin. Tout le monde suit, c'est bon,
arrive. 11h, Amal, midi 4, donc exactement à Wall Time, Namaz et Jamaat. Ensuite, à 12h, midi 45, donc 1h moins le quart, on va mettre les Marossia, le début des Marossia. Comme ce soir, Inch'Allah, vous aurez beaucoup de Nawakran, parce qu'on regorge de perles dans nos mosquées. Et a priori, j'ai l'impression que Bodé déclare, je ne vais pas utiliser les mêmes mots, pas les citara, mais les perles qui sont réparpillées sur les quatre coins de l'île sont ici ce soir, j'ai eu cette impression en vous écoutant. Donc, Mashallah. 13h15, Inch'Allah, Majalis, si tout se passe bien. Donc, je t'ai dit quoi, 13h 13h15, 13h30, on va dire Majalis. Donc, ça nous laissera à peu près 45 minutes de Malaysia maximum. 14h, Matam. Inch'Allah. Et à partir de là, tous ceux qui se sont inscrits dans le bus pour aller au Djoulous, et j'aborderai le Djoulous en troisième partie, à 14h30, il faut que le bus soit parti pour rejoindre Saint-Denis, c'est un samedi, il risque d'y avoir de la circulation, donc on prend nos précautions. Le Djoulous doit démarrer impérativement à 16h. À 14h30, donc départ du bus. Pendant ce temps, le Matam continue. Donc ceux qui sont au Matam et qui ne se sont pas inscrits continueront le Matam ici jusqu'à à peu près 15h. À partir de 15h à Saint-Pierre, cette année, Moulana ne pourra pas venir malheureusement pour des raisons de santé. Il y aura un programme spécial de Ziyarat et Ashura pour ceux qui sont restés là. Et comme à peu près on a remarqué tous les ans, il y a à peu près la moitié du Jamaat qui reste ici pour des raisons de santé ou d'autres raisons personnelles. Donc on a mis un programme en commun, hommes et femmes, Inch'Allah, à partir de 16h, Ziyarat et Ashura. Après le Matam de 15h, Tabaluka pour casser entre guillemets, le faco vous sera distribué à l'extérieur. Donc vous aurez une pause. Donc après cette pause, Ziyarat et Ashura qui se fera à l'étage, si je ne dis pas de bêtises. Ou, non, ça sera ici, parce qu'il y aura une projection, Inch'Allah. Il y aura une projection, donc ça se fera ici, dans l'Imam Baga, comme ça les femmes peuvent aussi avoir la projection en simultané. Et le Ziyarat et Ashura, Inch'Allah, risque de durer 1h30, voire 2h. Donc c'est comme qui dirait, The Ziyarat, pour les jeunes qui me suivent, un The avec un T majuscule, Inch'Allah. Ensuite, programme habituel, c'est-à-dire en fonction du retour du bus, tout va se jouer là-dessus. À quelle heure on redécolle de Saint-Denis? On va dire, si on est là à Wall Time, on pourra faire Namaz à Wall Time, sinon ça sera 18h45, et on fera Namaz et Jamaat, Niaz, et le programme habituel. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail. Maintenant, je passe sur la troisième partie. Tout le monde suit pour l'instant? Oui. C'est bon. 18h45, je fais comme Moulana sur le micro, il pose des questions, je regarde la tête des gens, si ça suit, si ça suit pas. Troisième partie, le Djoulous à Saint-Denis. J'ai eu pas mal de prérogatives. J'ai eu un appel du vice-président de l'Union aujourd'hui. Demain, Inch'Allah, on aura une circulaire qui va être émise par l'Union, donc l'UACIR. Mais je dois vous préciser quelque chose. Avant tout, vous préciser que la liste qui a été affichée depuis très longtemps compte à ce jour 21 personnes, si je ne me trompe pas. Pas Mohamed, mais Mohamed, c'est vrai. La liste compte 21 personnes, en sachant qu'un bus, le bus qu'on a eu la dernière fois, faisait 57 places. Le Djoulous ne concerne que les hommes, désolé pour nos épouses, le Djoulous ne concernera que les hommes cette année aussi. Nos femmes, ne soient pas les bienvenues, mais techniquement c'est un peu compliqué de gérer tout ce monde, surtout qu'on va faire le trajet depuis le bas de l'avenue de la Victoire, c'est-à-dire à partir du jardin de la préfecture, en gros. Je ne sais pas si vous voyez, je ne vais pas faire de publicité, mais Air France, quoi, en gros. D'ici jusqu'à l'obélisque, si je ne me trompe pas, demain j'aurai plus de précisions sur le trajet, et revenir au point de départ. La seule chose qui a été demandée cette fois-ci par l'État français, c'est une parfaite coordination des quatre Jamaat. Alors, il faut savoir que l'autorisation, on l'a eue cette année assez difficilement. Je ne dirais pas que c'était passé comme une lettre à la poste, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'arrivée du Grand Raid en même temps, samedi.
Deuxièmement, le contexte actuel international fait qu'il y a souvent des amalgames. Donc on nous a posé beaucoup de questions, que ce soit moi, à titre personnel, à Pablo de Costa Rota. Donc j'ai eu pas mal d'appels, l'UACIR a eu pas mal d'appels, et beaucoup de précisions. Entre autres, les précisions que j'ai pu noter, je vous les donne tout de suite. Déjà, il y aura un référent, on va l'appeler le gilet jaune, le fameux gilet qu'on a dans nos voitures. Le gilet jaune, ça sera lui le référent du bus. Quand il vous dit on y va, on y va. Quand il vous dit on descend, et quand il faut traverser, on traverse. Mais alors attention, tout le monde doit traverser sur les clous, c'est-à-dire sur les passages protégés. On nous a montré des photos à l'appui, comme quoi qu'il y a des parents qui traversaient avec leurs enfants en dehors des passages protégés. Donc à éviter, on doit donner l'exemple, tout le monde ensemble. Et là, je m'adresse maintenant aux jeunes, comme moi, je suis un adepte de téléphone comme vous, et on nous a demandé d'éviter de prendre des photos en dehors, c'est-à-dire que les jeunes n'auront plus à sortir du cortège. Quand vous êtes dans le cortège, on appelle ça un guide ou un serfil, vous restez dans le cortège. Personne n'est autorisé à prendre... Ce n'est pas les photos qui gênent, c'est les personnes qui vont à l'extérieur du cortège qui gênent. Ok ? Des photos, pas avoir la tête, il doit rester. Il y a des notes comme ça. Je pourrais prendre des photos avec un appareil photo, mais tout ce qui est téléphone, smartphone, vous vous prenez en photo dans le Julus, il n'y a pas de problème, mais vous n'aurez pas l'autorisation de sortir du cortège. On nous a demandé de respecter cette consigne à la lettre aussi. Donc je ne fais que répéter. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait ? Ah oui, Matom, s'il vous plaît. Donc, Matom, on va dire la main sur le cœur, et c'est pas le gros Matom, c'est tranquille, ok ? On est triste, on n'est pas énervé, on est triste. Ensuite, les messages, souvent sur les t-shirts. Les « Où is Hussein ?» il n'y a pas de problème. Les t-shirts « I love Hussein », encore mieux. Les t-shirts, on va dire, où c'est écrit avec un peu de sang, ça pose pas vraiment de problème, mais on nous a fait comprendre qu'il faut peut-être éviter les amalgames quand il y a du sang, des choses comme ça. Un peu ce qui a été entendu. Mais bon, on va pas aller contrôler vos t-shirts, vous inquiétez pas, mais c'est juste un message que je dois faire passer. Les banderoles autorisées, et seules seront autorisées, les banderoles qui auront été approuvées par l'UACIR, c'est-à-dire pas de banderoles dans le contexte actuel. Et toutes ces choses-là, ils ne veulent pas en entendre parler. On doit passer que le message de paix de l'imam Hussein et rien d'autre. Pas de message subliminal, pas de message autre. Oui, il y a souvent des t-shirts. On m'a déjà fait la remarque, un ami à moi m'a fait la remarque. Quand c'est écrit sur votre t-shirt, vivre comme Ali et mourir comme Hussein. Moi, je comprends tout à fait le message parce que j'ai vu, j'ai lu, je sais ce que c'est Ashura, je sais ce que c'est comme, voilà, quelle est votre niyat. Mais quand c'est vu de quelqu'un d'extérieur et qui est entre guillemets abonne et qui ne connaît pas trop, la confusion est très mal, est très vite perçue. Donc, je ne sais pas si vous suivez, je n'entre pas plus dans les détails. Donc, ça, c'est le genre de message qui passe. Je crois que j'ai tout dit sur le Julus. Par contre, j'aimerais que s'il y a des personnes qui veulent s'inscrire, qu'ils le fassent très rapidement, s'il vous plaît. Le dernier programme qu'on a fait à Saint-Denis, ça s'est fait à l'arrache et le bus était rempli quasiment à 90%. Mais ça s'est rempli à 90%, on va dire, le jour du départ. Donc j'aimerais qu'on anticipe, s'il vous plaît, qu'on anticipe le départ. Et si des personnes veulent s'inscrire, s'il vous plaît, faites-le très 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 rapidement. Venez me voir où on inscrira votre nom là-dessus. J'ai oublié peut-être une chose. Tello, il y a Shazam, tu en as parlé de l'invitation? Non, le programme à 14h demain pour les vendredi pour les femmes. Ça, ça a été dit, tout le monde a entendu? Oui. Ok, donc il y en a qui suivent, c'est bien. Il y a une invitation particulière. Quelqu'un peut passer mon téléphone, parce que j'ai oublié, c'est dans mon téléphone. Il y a une invitation, Inch'Allah, pour les femmes, pour nos mères. Il faut que je retrouve. Donc, dimanche 25 octobre 2015, toutes les femmes donc, sont invitées chez Ben Nashida Kachera, pour participer à un majalis donné par la Mouliani Merchant, qui nous fait l'honneur de sa visite. Un niyaz sera servi après le namaz Zohorein. Merci de prévoir, alors, les femmes, moi je m'adresse à vous, pardon la caméra, parce qu'aujourd'hui il y a trois caméras, il y a Kodja TV, donc il y a une nouvelle vodale, et mon tout, c'est notre ad, c'est une nouvelle vodale, mon tout, c'est un nouvelle vodale.
Dimanche 25, toutes les femmes sont invitées chez Ben Nashila Kachla pour participer à un modalis donné par le Moulin du Merchant. Un lien sera servi après Namazo Voren. Merci de prévoir un mobile et un tadol chacune. L'adresse vous sera communiquée par SMS et par WhatsApp. Ça se passe à la Rivière Saint-Louis. Tout en sachant que le programme de Dulz sera maintenu dimanche aussi à 4h et le modalis de 17h aussi sera maintenu à Saint-Pierre dimanche prochain. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vérifie mes notes.